Pour pouvoir avoir une chaîne YouTube, la première chose est d'avoir un compte Google. Le compte Google est le préalable nécessaire, indispensable pour se créer une chaîne YouTube. On va donc ensemble voir comment se créer rapidement un compte Google. Vous prenez un navigateur, vous vous connectez sur YouTube. Donc lorsque vous allez sur le site YouTube, vous êtes identifié en tant qu'internaute anonyme. Donc vous avez un peu n'importe quoi qui apparaît ici. Et si vous souhaitez disposer d'un compte YouTube et d'un compte Google, il va falloir se connecter. Une fois que vous êtes sur l'écran de connexion Google pour accéder à YouTube, il vous demande de rentrer votre adresse mail ou alors de créer un compte. On va donc créer un compte. Alors là, il nous demande si c'est pour un enfant, pour des accès restreints, pour moi ou alors pour une entreprise. Donc là, je vais faire quelque chose de personnel, je vais mettre pour moi. Il me demande mon nom et mon prénom. Une adresse mail. Alors, je vais prendre une adresse mail qui va servir à ma chaîne YouTube. Donc, je vais mettre mes compétences digitales. Ça deviendra mes compétences digitales @gmail.com, puisque c'est du Google. Là plutôt, mes compétences digitales @gmail.com. Il me demande d'inventer un mot de passe. Alors là, vous allez prendre un mot de passe assez fort. L'idéal étant d'avoir des majuscules, des minuscules, des chiffres, un peu tout. Il me demande quand même une confirmation histoire de vérifier que je ne me suis pas trompé dans la saisie parce que je ne vois pas. Je pourrais éventuellement afficher le mot de passe en activant la case à cocher. Et je fais suivant. Pour vérifier, il me demande quand même un numéro de téléphone ou une adresse mail facultative de récupération. Donc là, je vais le renvoyer vers mon adresse mail Google classique. Ensuite, là, il vous demande votre date, votre jour et mois de naissance. Si vous êtes un homme ou une femme. Et suivant. Il me demande si je veux une personnalisation express ou une personnalisation manuelle. Je vais aller dans le plus rapide, hein. Personnalisation express. Il me demande simplement de confirmer les règles d'utilisation et de confidentialité. Et mon compte Google, mes compétences numériques, est créé. À partir de maintenant, je suis connecté, F, quand j'ouvre. Je vais bien Fabrice Lhote, mes compétences digitales @gmail.com. Donc j'ai un compte Google sur lequel je pourrai par la suite créer une chaîne YouTube.